Bonjour à tous, c'est Requiem, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait bizarre de me voir, non? J'espère que ça vous plaît. Je n'aurais jamais pu apparaître en vidéo sans l'aide du talentueux Yarokalb Vespertilio, qui m'a dessiné et animé, et a aussi créé tout l'univers que vous pouvez apercevoir en arrière-plan. C'est aussi le créateur de la nouvelle photo de profil de la chaîne, ainsi que la bannière. Si jamais son travail vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller le contacter sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Sinon, avant de commencer la vidéo, je souhaiterais discuter un peu avec vous, car j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, mais je vais essayer de faire le plus vite possible. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de changements sur la chaîne, mais il y en a aussi derrière tout ça. Requiem avant, c'était moi et juste moi. Mais maintenant, c'est une équipe. Et oui, j'avais besoin de rendre la chaîne plus professionnelle et qualitative. Et pour ça, j'avais besoin d'aide. J'ai donc recruté un peu de monde pour travailler avec moi. La chaîne dispose maintenant d'un manager qui va s'occuper de toute la gestion des collaborations, des sponsors et de mes plannings. J'ai actuellement aussi 3 monteurs. Ouais, rien que ça. Je sais, ça peut paraître énorme. Mais la création d'un JHS est assez lourd en réalité, car je m'occupe personnellement de l'écriture de chacune d'entre elles. Je m'occupe aussi de la narration principale et des castings de chacun des rôles de chaque JHS. Comme certains le savent, je travaille maintenant sur une plateforme en tant que voix off, et j'ai vraiment plus le temps de gérer tout ça toute seule. Cette aide m'est vraiment précieuse. C'est pour ça que je voulais vous parler de notre petite équipe. Bref. On a aussi 2 traductrices qui s'occupent de traduire de vrais témoignages postés sur des sites japonais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la chaîne Cartoon Horror Show a participé à une vidéo sur ma chaîne. Celle-ci. Eh bien, pour tout vous dire, ce sont de véritables témoignages japonais qui ont été entièrement traduits par mes traductrices. Elles font vraiment un travail de fou. Et pour finir, j'ai aussi engagé une compositrice et la chaîne va bientôt avoir l'honneur de disposer d'un grand choix de musique allant parfaitement avec les thèmes abordés dans les vidéos et donc des musiques que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Franchement, vous trouvez pas ça génial? Je pense qu'on commence à bien se démarquer et moi ça me fait beaucoup de bien. Enfin bon, je vous embête pas plus avec tout ça, mais je peux vous promettre encore plein de belles surprises qui vont arriver sur la chaîne dans les mois à venir. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 10. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Pourquoi la bonne bouffe est si bonne? Et pourquoi je me sens toujours aussi mal après en avoir mangé? Eh bien, je sais que je serai encore plus grosse après en avoir mangé. Encore un jour où je m'oblige à manger sain. Mes repas ne sont composés que de salades et encore de salades. Je n'en peux plus. J'aimerais tellement manger des trucs salés, sucrés et gras. Ça me manque trop. Poulet, pizza, jambon et fromage. Hamburger, bœuf, porc et ragoût de kimchi. Mais aujourd'hui encore, je me retiens. Je n'ai pas le choix, sinon je sais pertinemment que je ne pourrai jamais perdre de poids si je mange toutes ces choses lourdes. Manger de la salade tous les jours me dégoûte. Je ne ressens plus aucun plaisir de manger. C'est comme si j'avalais de la nourriture sans goût. À force de manger tous les jours la même chose pendant des mois et des mois, j'ai même perdu la sensation de la nourriture dans ma bouche. Heureusement que la vie ne se résume pas qu'à des repas. Je fais autre chose, ce qui me permet d'oublier un peu. Et quand je dis un peu, c'est vague, puisque je ressens toujours la faim à l'intérieur de moi. Je ne suis jamais comblée. C'est un vide constant. Je m'appelle Mayu. J'ai 18 ans et je suis vraiment complexée par mon corps depuis que je suis toute jeune. Enfin, les gens autour de moi m'ont fait complexer. Ce complexe m'est venu surtout à l'adolescence. Quand on est enfant, on ne fait pas vraiment attention à ce genre de choses, mais plus on grandit, plus on prend conscience des choses. Depuis 2 ans, je travaille dans un petit café au centre de Tokyo. Travailler là-bas me donne la sensation d'oublier tout ce qu'il y a autour, et il y a une collègue avec qui je m'entends pas trop mal là-bas. Elle aussi était comme moi, ronde, en surpoids.
J'en parle au passé, car comme vous vous en doutez sûrement, j'ai arrêté de manger toutes les choses que j'adore et j'ai réussi à perdre pas mal de poids, même si c'est encore insuffisant. Ma collègue Minji s'inquiète pour moi des fois, et souvent on aborde le sujet de mon régime. Tu vas réussir à tenir ce régime ? Tu as dû perdre pas mal de poids depuis. Tu dirais pas ça si tu voyais mon ventre gras tomber. Il faut que je perde encore plus. Pourquoi tu ne veux pas faire un régime avec moi, Minji ? Ah, tu sais, j'aime trop manger pour renoncer à la nourriture. Chaque fois que j'ai essayé, j'ai fini par rechuter et à manger comme une truie, donc je préfère stopper ce genre de choses. Tiens, par exemple, rien qu'hier soir, j'ai mélangé 4 paquets de ramen avec 4 œufs et beaucoup de riz. Tu devrais vraiment arrêter de manger comme ça. Eh, hey, vous deux, là ! Les grosses truies, votre temps de pause n'est pas encore terminé ? Allez, on se remet au travail, bande de flemmards. Désolé, chef. Ça explique pourquoi vous êtes toutes les deux grosses. Vous êtes des paresseuses. Ça, c'est le patron du café. Il est si gentil avec les filles minces qui travaillent ici, mais avec nous, il a toujours été un sombre connard. Je déteste les types comme lui, toujours à juger sur un physique. Comme si un physique pouvait définir une personne. C'est faux. Pas vrai ? Mais pourquoi est-ce qu'il m'insulte toujours de truie quand je suis avec Minji ? Je ne suis peut-être pas mince, mais je ne suis plus aussi grosse qu'elle maintenant. Ces mots ne font que résonner dans ma tête. Les grosses truies, les grosses truies, les grosses truies. Yurtsorin, yurtsorin, yurtsorin. J'en peux plus. Ça ne m'étonne même pas que je me sois créé des complexes. C'est à cause de personnes comme lui que les filles tombent si facilement dans l'anorexie. Je le hais, vraiment. Putain de stress. C'est dans ces moments-là que je rêve de m'enfiler un bon gros plat de riz blanc avec un œuf à la coque, du gochujang, de l'huile de sésame avec des herbes hachées. Et en dessert, dévorer un rouleau entier à la crème et ça sans même le découper. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Mais bon, il ne faut pas que je me laisse aller. Je suis sur mon ordinateur. Il faut que je m'occupe l'esprit. Je devrais peut-être regarder des mukbangs. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont juste des vidéos de gens qui mangent. La plupart du temps, je regarde juste les gens en ligne. Mais les mukbangs sont devenus tellement populaires que c'est même diffusé sur des chaînes de télévision. Ce qui montre que les gens sont intéressés pour regarder d'autres personnes manger. Personnellement, j'ai commencé à regarder ça depuis que je fais mon régime. Ça me fait me sentir mieux de voir d'autres personnes manger. Mais étonnamment, c'est super addictif. C'est peut-être satisfaisant de regarder quelqu'un engloutir de délicieux repas, je ne sais pas. Quand je lis les commentaires, il n'y en a que des positifs comme « J'aime la façon dont il mange avec envie. Il a l'air de tellement se régaler. » Ou encore « Je me sens rassasié juste en le regardant. » Mais les gens disent ça seulement si ceux qui se filment sont minces. Si Minji ou moi, quand j'étais plus grosse, faisions ça, les gens diraient très certainement « Oh, pas étonnant que t'aies un gros cul, arrête de bouffer, sale truie. » Les personnes les plus populaires faisant du mukbang sont toutes belles et minces. Il n'y a pas de place pour les gens comme Minji ou moi. Prenons cette fille par exemple, qui est soudainement arrivée de nulle part. Elle est montée dans les classements en un rien de temps. Salut les gars, c'est Lofu. Ce soir, je vais prendre mon repas du soir avec vous. Je vais seulement prendre ces 8 paquets de ramen noir. Comment est-ce qu'elle peut rester aussi fine alors qu'elle est censée faire 4 vidéos de mukbang par jour, en sachant qu'elle se goinfre toujours de trucs super salés, gras et sucrés. Et je ne suis pas la seule à le penser. Quand je regarde les commentaires, comment elle peut manger tout ça ? Elle doit probablement se faire vomir après. Les autres vlogueurs de mukbang doivent au moins faire 4 heures d'exercice par jour. Et toi, Lofu ? Comment est-ce qu'elle peut être aussi mince en mangeant tout ça tous les jours ? J'imagine que c'est juste les gènes. J'avais une amie comme ça aussi. Sa famille et elle ne pratiquaient jamais de sport et ils étaient tous super minces. Pendant qu'elle mange en direct, les commentaires fusent dans le chat. Ça ne s'arrête pas. Évidemment, je n'ai pas le temps de tout lire. Mais mes yeux arrivent à capter le principal. Je suis trop jalouse de toi, Lofu. Ouais, je suis jalouse moi aussi. Merci pour ton soutien, Sugar Sweet. Si seulement j'avais ces gènes. Hé la grosse, mes amis viennent ce soir. Alors sors quelque part et ne rentre pas avant 4. C'est hors de question que je leur guisse le cul de ma sœur. Je sais que c'est notre fille, mais elle n'a aucun contrôle. Elle ne sait pas que la gourmandise est un péché. Si seulement j'avais une fille pour laquelle je pouvais acheter de beaux vêtements et du maquillage. Mais rien ne lui va. Elle préfère se bourrer de nourriture. Merde ! Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu grossis à chaque fois que je te vois ? Tu vas faire comment pour te marier plus tard ? Elle sent vraiment la merde. Honnêtement,
Comment est-ce qu'on peut perdre le contrôle à ce point? Faut vraiment être paresseux pour en arriver là quand même. Quelqu'un peut lui dire de se regarder dans un miroir? Elle se rendra peut-être compte de la vue qu'elle nous inflige. Ces souvenirs me hantent toujours à l'heure actuelle. Avant ça, je ne me doutais pas que des paroles pouvaient traumatiser quelqu'un à ce point. De toute façon, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas vécu, j'imagine. Merci pour ton seum, monsieur Hot Dog. Je te bannis, Beefatlayer, pour insulte. Terminé. Elle vient de poser ses couverts. Tout est vide dans sa vaisselle. Elle a dévoré ça en un instant. C'est fou quand même. Je reste vraiment choquée. Même moi avant, je ne mangeais pas aussi vite. Cette fille est un monstre, c'est pas possible. Bon, pour digérer tout ça, je propose de vous parler jusque tard ce soir. Visiblement, il n'y a pas que moi que ça choque. Encore une fois, les commentaires défilent à une vitesse hallucinante. Oh mon Dieu, elle a tout dévoré. Cette fille a déjà mangé 10 hamburgers à la suite. Je parierai ma main gauche qu'elle va se faire vomir juste après. Mec, Lufo ne se fait jamais vomir. Bon, apparemment Lufo ne fait pas l'unanimité. J'imagine qu'on ne peut pas se faire aimer de tout le monde, mais je trouve les gens un peu durs avec elle quand même. Pour tous ceux qui s'inquiètent de savoir si je me fais vomir après tout ça, je vous invite à continuer de regarder mon stream et vous verrez que je ne vais pas à la salle de bain. Ah ah, malin ça! Comment garder une audience stable? Cette fille est vraiment géniale. Je ne serais clairement pas capable d'avoir une telle idée. Elle utilise les commentaires négatifs à son avantage et donc même ceux qui n'apprécient pas son contenu restent jusqu'à la fin. Pour ce soir, il ne me restait que ramen à la maison, mais normalement, pour demain matin, j'aurai du riz. Sa famille est riche ou quoi? Comment est-ce qu'elle peut juste rester chez elle à manger tous les jours? On dirait qu'elle ne travaille pas non plus. Oh, je veux des ramen moi aussi. Ça m'a tellement donné envie. Je sens mon estomac qui se creuse. Cette faim insatiable, je n'en peux plus. Oh non, 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 il faut que j'aille me coucher. Il est déjà super tard. Je suis dans mon lit, mais je n'arrête pas de penser. Du riz avec des côtes de porc. Du poulet frit. Un beignet enrobé de sucre fourré au Nutella et au beurre de cacahuète. Des nouilles froides et du bœuf frit. Des gâteaux de riz avec un ragoût de bœuf épicé. Des pâtes à la crème d'ail. Un macchiato au caramel. Oh. Oh non, 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 non. Je dois résister. Je ne peux pas craquer. Pas maintenant. Je tiens ma liste de courses dans mes mains. Aujourd'hui, je fais mes courses de la semaine et le seul endroit où les aliments ne sont pas trop chers est le centre commercial à côté de chez moi. J'ai de la chance sur ça quand même. Mais je me dis que ce serait tellement bien si je pouvais paraître plus mince juste en m'habillant. J'aurais pas besoin de me priver comme je le fais et j'aurais plus cette sensation de frustration constante. Je sens que je peux craquer d'une seconde à l'autre, mais il ne faut pas. Il faut que je me retienne. Oh, mais cette femme qui vient de passer... Excuse-moi, est-ce que tu es Lufo de l'émission de dégustation de Mokbang? Mais je vais pas bien. J'ai jamais abordé qui que ce soit dans la rue et je crois pas que ça se fasse comme ça en plus. Je suis complètement tarée. En plus, je ne ressemble à rien là. Oh, mais quelle honte! J'ai envie de partir en courant me cacher. Ah, je sais, je devrais lui dire que je suis juste une femme et partir directement après. Ouais, voilà, c'est parfait. Mais c'est tellement injuste. Les mots sortent seuls d'entre mes lèvres. Comment est-ce que tu fais pour manger autant sans jamais prendre de poids? Qu'est-ce que je raconte encore? Oh, je suis tellement surprise. Elle m'adresse juste un sourire. Un sourire très amical, qui plus est. Oh, j'y crois pas. Je suis chez Lufo. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, 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 calme-toi, enfin, Miou. Je suis assise face à Lufo, sur un divan. Beaucoup de gens me demandent comment je fais pour manger autant tout en restant aussi mince. J'ai vu pas mal de commentaires dire « Elle ne doit pas dormir et faire du sport en secret. » Ou « Vomir après avoir mangé. » »« Elle doit être malade. C'est grâce aux gènes. » Bon, ok, je sais que j'ai dit que j'étais une fan. Mais pourquoi est-ce qu'elle a besoin de m'emmener dans sa maison pour parler d'elle alors qu'on vient juste de se rencontrer? Ça m'arrive, hors live, d'avoir des moments où je mange tellement que j'ai l'impression que je vais exploser. Mais pas une fois je n'ai vomi. Ah! Bah ça doit être dans tes gènes alors. Je regarde son corps de haut en bas.
Waouh, elle a vraiment de longues et fines jambes. C'est magnifique. J'aimerais tellement avoir le même corps qu'elle. Je suis tellement jalouse. Tu es jalouse ? Alors, je peux peut-être t'aider ? Il y a actuellement cette pilule de régime qu'une entreprise chinoise développe en secret. Et ça, c'est le principal ingrédient. Elle me tend un mouchoir avec une espèce d'écorce d'arbre. Il dilue ceci et le transforme en pilule. Mais moi, j'ai dû le manger cru parce que j'étais une des premières personnes à participer aux essais cliniques. Qu'est-ce que c'est ? En n'en prenant qu'une seule fois, tu ne prendras plus un seul kilo pour le restant de ta vie. C'est pour cette raison que je reste mince, alors qu'avant j'ai été en obésité morbide. C'est généralement vendu à un prix exorbitant sur le marché. Mais si tu peux garder le secret et vivre loin de tes amis et de ta famille, alors je te le donne gratuitement. Je suis un peu perdue. Je ne comprends pas de quoi elle parle. Ça semble irréel. Ou alors, c'est une de ces arnaques pyramidales. Est-ce que je suis en train de rêver ? Tout le monde dit que c'est impossible de manger tout ce que l'on souhaite sans grossir. Mais il y a cette fille juste en face de moi qui fait ça. J'ai l'impression d'être sous le charme. Je suis prête à vivre loin de ma famille. Parce que de toute façon, on ne s'entend pas bien. Et je n'ai aucun ami pour tout te dire. Très bien. C'est décidé. Je vais le prendre. Bien sûr, tiens. Comme tu vas devenir mince, tu vas enfin pouvoir manger tout ce dont tu rêves. Ce petit fragment sombre et suspect qu'elle a laissé tomber dans ma main avait un goût salé et un peu rebutant, comme du poisson séché. Après ça, j'ai commencé à devenir mince. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Tous les mecs se retournaient sur moi dans la rue. On ne voyait que moi. Je me sentais tellement belle et désirable. En n'en prenant qu'une seule fois, tu ne prendras plus un seul kilo pour le restant de ta vie. C'est pour cette raison que je reste mince, alors qu'avant j'ai été en obésité morbide. C'est généralement vendu à un prix exorbitant sur le marché. Mais si tu peux garder le secret et vivre loin de tes amis et de ta famille, alors je te le donne gratuitement. Lofu disait vraiment la vérité ? Je n'arrive toujours pas à croire que je sois devenue si mince en l'espace de seulement un mois, sans même faire une seule fois de l'exercice et surtout en mangeant tout ce que je veux. Je ne serai plus jamais stressée par ce que je mange, je ne serai plus jamais déprimée par tous ceux qui se moquaient de moi et m'appelaient la grosse. Je suis heureuse, vraiment. Je suis vraiment devenue incroyablement mince et ça a juste continué. 33 jours après que j'ai commencé à perdre du poids, mon corps a subi des changements très radicaux. Il ne ressemblait plus au corps que je voulais. Il ne me restait plus que la peau sur les os. Mes cheveux ont commencé à tomber. Mes ongles se cassaient sans arrêt. Je perdais mes forces. J'ai donc essayé de manger tout ce que je pouvais pour arrêter ça, mais mon corps était trop faible, même juste pour garder de la nourriture. Et comme je ne pouvais plus manger, je suis devenue plus maigre, encore plus vite. Je ne peux pas aller à l'hôpital en ressemblant à ça. Tout le monde va me regarder et rire de moi. Et ils vont le dire à ma famille. Je ne peux pas permettre ça. Tout ça, c'est de la faute de cette salope de Lofu. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'après sa fabuleuse ascension vers la gloire dans le monde en ligne, Lofu a soudainement disparu sans laisser de traces et sans même la force de lever un doigt allongé ici, dès le tic-tac de l'horloge. J'ai finalement réalisé quelque chose, tandis que je m'accrochais à mes derniers moments de vie. Manger ces repas nauséabondes, riches en calories au moins 4 fois par jour, de l'aube au crépuscule. Lofu ne mangeait pas comme ça parce qu'elle le voulait. Tu te rappelles de cette fille potelée qui vit seule au 606 ? Il y a quelques jours, il y avait une odeur de poisson et de moisie qui provenait de son appartement. Ah oui, des personnes sont venues emporter ses affaires. Je suppose que c'est pour ça que l'odeur a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vu à quoi ça ressemblait, il semblerait que les personnes aient emmené quelque chose qui ressemblait à du bœuf séché. Waouh ! Faire du bœuf séché à la maison ?
Ah, ça finit toujours mal à cause de la fumée. Non mais ouais, c'est clair. Ils m'ont ramené le corps de cette Miyu. Si seulement elle avait su. Tu disais que tu voulais être comme moi, pas vrai? Oui, tu peux. Tant que tu vivras, tu ne prendras pas un seul gramme. Si seulement elle avait su ce qu'était réellement cette solution miracle. Maintenant, buvons, mangeons, et surtout, soyons minces. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez jamais qu'il est important de s'aimer tel que l'on est, et ce, peu importe notre physique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et moi, je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.